Good morning, ladies and gentlemen. My name is Alvise Giustiniani, and I work for Philip Morris International. I'm responsible for the group that fights illicit trade, and I'll be moderating this panel today on illicit trade, a destabilizing factor for the economical development. Together with me, I have three distinguished panelists. I'll start from my left. Laurent Macadier, he's a former magistrate in France, and now senior advisor for legal affairs for LVMH in France. It's an international company. Then towards going further, Carlos Moreira is an entrepreneur. He is the founder and CEO of WISeKey, a high-tech company. And before that, he had a long career in the UN organization. And then last but not least, Jean-François Tony, he is a prosecutor general in France, a distinguished career for almost 40 years now, and also the president of the Syracuse International Institute, as the name would suggest, an institute based in Sicily, Italy, my own country. Before I give the floor to the panelists, let me just maybe set the scene. A couple of pills on illicit trade. I guess not everybody in this room is familiar with the topic. So let me just highlight a couple of points which I think is relevant. The OECD, so the organization we all know, did a report a couple of years ago on illicit trade, tried to quantify the dimension of it. And they came up with a staggering figure which is above $2 trillion. $2 trillion around the world is the turnover of illicit trade. Of course, it's an estimate. The organization that deal in illicit trade do not publish any statistics. When it comes to the sector I know better, so that tobacco, around 10% of all cigarettes smoked around the world are illicit. So 1 out of 10 is illicit. And that's giving a loss of revenues around $40 to $50 billion to the states in lost taxes. So that's the first on numbers, the size. The second one, I would like to mention the dimension in terms of globalization. You would be surprised I don't think you can think about any product that is not traded illicitly. It goes from fishery to timber, which is logged illicitly in countries and then smuggled in other countries. But it's tobacco, it's alcohol, it's drugs, arms, human trafficking, human organs trafficking. So it's really a global phenomenon. And across the whole world, it doesn't know borders because products flow from one part to the other. It's very easy nowadays with transportation containers are cheap to ship from one part of the world to the other. And last but not least, when it comes to the globalization, the organizations that deal with it are international. They have operations in more than one country often, or they cooperate with organizations in different countries. And often they also cooperate with terrorist organizations. And so that's one way that the terrorists are funding themselves. Third point is the drivers of illicit trade. There are many drivers of illicit trade, but I would say that the biggest one, and it's the most obvious one and understandable one, is to make money. The money you can make in trading illicit trade is huge. Just to give you an example, if you buy a container or cigarettes in some parts of the world, you can get it for $100,000, $150,000. If you smuggle it in a high-priced country like UK or France, you can resell it for $1.5 million. Now, a bit of that money you need to give it to the intermediaries, but $100,000, $1.5 million, you don't need to be great in maths to understand that the profit is huge. So I don't want to give you any ideas in this room, but you can buy for $100,000 and sell it $1.5 million. Of course, you need to have some networks in my organization. But the other driver is that the penalties are very low. Do you ever read somebody that goes in prison for smuggling cigarettes? Very, very rarely. And the reason why is the penalties are low, the attention of society is low, politicians and law enforcement have often bigger fish to fry. So society is not putting the right attention either. Last but not least, and then due to time, I'll give the floor to the panelists. I think an interesting study was done recently and was
in a conference, was presented in a conference organized by the UNCTAD, which is the UN Organization for Trade and Development based in Geneva. And the study was done by TraceIt, which is an organization, an NGO specialized in the fight against illicit trade. And basically this study showed that illicit trade is hampering the reaching the 17 SDGs, the Sustainable Development Goals. And all of them are impacted because illicit trade is undermining jobs in the countries which has a perverse level of illicit trade. It's undermining states because less revenues to invest in other social activities. Illicit trade is fostering corruption, and corruption, that means it's fostering then less trust in the society, less trust in the country. So I think it's a very interesting study that shows how illicit trade and with related crimes like corruption and money laundering is impacting all the SDGs or the development towards the 2030 objective. I'll stop it there, and is a framework of illicit trade, and I'll pass the word to my first panelist, Laurent. Maybe you want to touch base on how illicit trade is impacting the consumer, and maybe also on the new platforms, the e-commerce platforms, and everything which is happening now with the on the web. Merci Alvicio, bonjour à tous. D'abord merci au président Thierry de Montbrial d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Sujet stratégique pour l'industrie du tabac, mais évidemment pour les autres industries, et notamment celle que je représente aujourd'hui, l'industrie du luxe. Le groupe Louis Vuitton Moët&Cie est le numéro un mondial en matière d'activité de luxe et aujourd'hui représente 75 maisons d'exception. Et lorsque on trace un petit peu un bilan de ce dont nous sommes victimes, la totalité de nos maisons en mode maroquinerie, en parfums et cosmétiques, en vin, en spiritueux, mais également en montres, joaillerie, toutes ces maisons sont victimes aujourd'hui d'actes de copie, de piraterie, de contrefaçon. Et nous sommes confrontés à une contre-industrie mondialisée qui aujourd'hui maîtrise des circuits de production, de distribution, de transport, de logistique. Et cette contre-industrie, vous le disiez Alvicio, est une contre-industrie criminelle. Avec aujourd'hui, quels que soient les lieux sur lesquels nous pouvons exercer notre action en répression, en coopération avec les autorités locales, nous sommes confrontés à des groupes criminels transnationaux qui aujourd'hui ont investi massivement l'industrie du faux et de la contrefaçon. Alvicio le disait par des chiffres qui donnent le vertige. Aujourd'hui, il faut savoir que le faux est la deuxième industrie criminelle derrière le trafic de stupéfiants, et c'est une industrie en très très forte progression. Alors, pour un groupe comme LVMH, pour les maisons que je représente, il s'agit d'avoir une stratégie double, mais une stratégie globale, parce que je pense que le cœur de la réponse que des groupes comme le nôtre doivent apporter à cette problématique du commerce illicite, c'est d'apporter une réponse globale à un problème qui se pose globalement. La pire des erreurs serait d'avoir des réponses morcelées, pays par pays, alors qu'il faut avoir une vision d'ensemble sur le phénomène. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'abord sur les marchés physiques, parce qu'il faut qu'on trouve les usines, qu'on casse l'outil de production et ralentir les circuits de distribution. Donc ça passe bien évidemment par des relations très proches en termes de partage d'intelligence, en termes de partage d'informations, en termes de formation, en termes de capacité à reconnaître le vrai du faux avec les autorités locales. Parce qu'évidemment, sans le soutien des autorités publiques locales, il est impossible pour un titulaire de droit de pouvoir avancer. Ensuite, l'autre jambe de notre stratégie est évidemment sur le digital. Le digital a été un véritable bouleversement, et lorsque je parle du digital, je pense évidemment aux plateformes de vente sur Internet, mais maintenant les réseaux sociaux, qui sont des vecteurs extraordinaires de diffusion de la contrefaçon. Je vous donnerai simplement un chiffre qui là aussi donne le vertige. Sur Instagram aujourd'hui, 20% des posts qui sont constatés et envoyés, distribués sur Instagram concernant le marché du luxe, relève de la promotion de la contrefaçon. Et pour un dernier chiffre qui concerne là pour le groupe LVMH et qui est très très inquiétant là aussi, pour l'ensemble de l'année 2018, nous sommes parvenus à retirer 20 millions de contenus de faux sur les réseaux sociaux. Pour les six premiers mois de l'année 2019, j'en suis déjà à 21 millions de contenus. Donc nous sommes confrontés à véritablement une masse grossissante avec des acteurs de
particulièrement professionnels et qui maîtrisent aujourd'hui globalement des circuits de distribution avec une véritable stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se rendre compte de cette situation pour proposer des choses. Et j'espère qu'au cours du débat, nous aurons aussi le moyen de faire des propositions pour faire avancer la situation pour l'ensemble des titulaires de droit. Thank you, Laurent. Very interesting about the cooperation and the things you mentioned about digital, a staggering figure, 20 million posts taken down. It's really amazing. And that's only in your industry, so on your company. But talking about digital, I pass that word to Carlos. We talk a lot of nowadays about blockchain, about cryptocurrency, and how Facebook is launching Libra. Microchips are becoming cheaper and cheaper, that you can almost print them on goods. How is all this playing into the illicit trade? Is it, do you see it positively? Is it helping? Or is it helping the bad guys or the good guys? Thank you, Alvise. As yesterday was said, technology can be used as a weapon or as a tool. You can destroy or you can construct. Just to give you a history on the technology, what we call now blockchain, and how it can really enhance the fight against illicit trade. The World Wide Web now, which is the invention that happens in Geneva, I was expert at the United Nations when the web started in Geneva, and at that time, it was a lot of hope as we expected the web to solve a lot of problems. The web is now, you have a $10 trillion economy sitting on the top of the web. Companies like Apple, Facebook, Amazon, Google, all of them have been extraordinarily efficient in monetizing the World Wide Web and creating a lot of wealth. But they have been extraordinarily inefficient in one specific thing, which is digital identity. The web is blind. The web doesn't know what it's doing. So you can obviously transfer good things on the web, but you can also transfer very bad things. So what has happened is that illicit trade, and not only illicit trade, but also issues related to the underground economy, are using the web in an extraordinary efficient way to do bad things. So, the reason is that the people, and they are trying, and there has been some very good companies, LVMH, and we have been helping many companies in WISeKey to improve their defense system. These companies are working in silos. And when you are dealing with a $2.4 trillion problem, which is the illicit trade problem, you cannot work in silos. So you have to build platforms. And the platform is something that stakeholders can, through one entry point, access endless amount of data, which is not the case now. If a government or a private sector company wants to investigate illicit trade issues, where do they go? They go to a database. Those databases are not available to them. They have to negotiate credentials to access the database. So this has been extraordinarily inefficient. That's why Interpol and many of the police organizations around the world are totally in a situation of the need to centralize data. But data is very difficult to centralize because there are, you know, commercial issues on data, ownership, intellectual property issues. So in the last 5 years, a new technology has arrived with the name blockchain, which could be the beginning of solving the problem. Although I always say, and I have been working on blockchain from the beginning, blockchain is only one of the components, not the only one. But we are creating in security and cybersecurity and technology a convergence historic point where what we call deep tech, deep technologies are converging. So you have artificial intelligence, you have blockchain, you have digital identity, you have Internet of Things, IoT. All of these technologies are now talking to each other. And this is creating an unprecedented power to solve critical problems that we didn't have the tools before to solve. So in the cases of objects, my company, now I was in the UN before, then I left, I created a company because I really wanted to solve the problem, not only talk about the problem. We already secured 1.2 billion objects. So those are watches in Switzerland, and they are now traced with a microchip that you are putting inside the watches. Those are wines, those are perfumes, that is food products. Because the traceability of a product cannot be established if you don't have a digital identity. Now, the digital identity, which is embedded into the product, like Alvise say, by a microchip, is also available in a blockchain ledger. So for you to understand, if you don't understand, or you are not being confronted to blockchain technology, the beauty of blockchain is that decentralized data. You don't have to have the data in one place.
So if a digital identity of my object, let's say a watch of LVMH, is traced at the object level, is also available. The digital twin of that product is also available on a ledger. And then that ledger is available to anyone to see. So nobody can stop you to access the ledger. So let's say that a watch has a chip and that chip is in the ledger. When a person walks into a customs, custom can detect that the product is fake or has been falsified because the identity of the product is not being embedded. So this is creating a very interesting proposition. It is a great advantage also for brands, and if brands do not cooperate in this, this will never happen, is that brands are also able now to know where their objects are and who owns those objects. The ownership of the object has a very big advantage for the brand because brands do not know their customers anymore. In our days, many brands, with exception maybe of LVMH that has a very strong digital strategy, they will need to go to somebody like Facebook or somebody like Amazon to know who their clients are because the client is registered with Facebook and not the platform. So that creates an advantage because not at the same time you are protecting your product, you are creating a KYC, know your customer facility that allow brands to re-engage back again with customers. Now, then you have the Libras of the world. I personally, you know, Libra is in Geneva. I am in Geneva. I am very much involved with the team there that they are trying to understand how Libra can expand out of Geneva. Libra has a good things and a bad things. They has an amazing thing, which is they are creating a digital currency, which could become dominant because they have 2.5 billion active users. The other thing, if Libra do not apply the financial regulation principles of KYC, it could also be used to basically move money illegally on the internet. So putting KYC compliance in projects like Libra on cryptocurrency is a must to have. Otherwise, goods that they are technologies that they are developed with the intention to do good end up by doing bad. I mean, one example is the dark web. The dark web now has moved $1 trillion economy. The dark web was originally designed by intelligence services, and they want to enter into the underworld and see where bad things were happening there. It was actually absorbed, used, and manipulated by the underworld to do basically their own digital ecosystem. So good news is a lot of technologies are there. The bad news that we need conferences like this and international multi-stakeholder approach to use those technologies in a way that satisfy regulatory requirements worldwide. Thank you, Carlos. So on technology, some parts you're upbeat, some parts you're still doubtful. Libra needs to be regulated in the right way. But before going to Jean-François, maybe I come back to Laurent. What is your opinion? You went from 20 million in 1 year, now 21 million takedowns. Do you think you're winning the battle, or is a mountain which, once you reach the top, there's another one even bigger? On est à 20 millions de takedown. Maintenant, notre objectif, c'est de passer à 20 millions de stay down. Parce que aujourd'hui, évidemment, les annonces se remplacent les unes des autres. Je crois que Carlo, en parlant de l'aspect technique, c'est une aide effectivement très importante pour les titulaires de droit. Mais moi, je pense qu'il y a un niveau normatif, un niveau législatif sur lequel il faut vraiment qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, évidemment, il faut qu'on arrive à une responsabilisation des grands acteurs de l'Internet. Parce que du travail a été fait en matière de fiscalité, en matière de contenu haineux, en matière de contenu à caractère terroriste, et des discussions avancent chaque fois pour que ce type de contenu soit enlevé en amont par les géants de l'Internet et pas seulement après signalement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, dans cette approche globale que j'appelle de mes voeux, arriver à une responsabilisation des géants de l'Internet sur l'ensemble, en réalité, des contenus illicites. C'est-à-dire, cessons de faire, de créer des micro-sujets suivant, en réalité, la nature des contenus qui sont diffusés, et rentrons, finalement, dans une des préconisations qu'avait fait la Commission européenne, la dernière Commission européenne, en mai 2018, c'est-à-dire en appeler à une responsabilisation sur l'ensemble des contenus illicites, c'est-à-dire ayons cette approche transversale. Aujourd'hui, nous avons tous cette autorité publique titulaire de droit. On a un ennemi commun qui sont ces pirates, ces contrefacteurs, ces organisations criminelles. Et pourtant, nous répondons de manière trop morcelée. Donc, cette approche transversale, cette approche globale doit aussi venir aujourd'hui sur Internet. Et j'espère que ces débats seront aussi l'occasion de faire avancer ce sujet de responsabilisation des grands géants de l'Internet. Parce que sans ce travail qu'ils doivent faire
techniquement en amont et ils ont les moyens de le faire. C'est-à-dire placer des instruments de filtrage pour filtrer les contenus illicites, qu'il s'agisse de contrefaçon ou de contenu haineux ou de contenu à caractère terroriste. Et je pense qu'une bonne partie du sujet aura été réglée par cette implication plus forte de ces géants de l'Internet dans ce combat. Thank you. I think that's a perfect and password for Jean-François about regulation. Is regulation helping from a national standpoint, or since illicit trade is transborder, from an international organization, what is the current framework? Jean-François? La difficulté qu'on a aujourd'hui avec la lutte contre le commerce illicite, Laurent l'a dit, il faut apporter une réponse globale à un problème global. Mais apporter une réponse globale, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Parce qu'il n'y a pas un commerce illicite, il y en a autant qu'il y a de produits. Quel est le point commun entre le trafic de médicaments, le trafic de biens culturels, le trafic de déchets toxiques? Tout ça sont des choses, évidemment, qui sont complètement différentes. Les groupes criminels qui sont derrière, eux aussi, sont totalement différents. Ils sont protéiformes. Vous avez les organisations criminelles traditionnelles qui, souvent, ont investi un champ particulier. Je pense, par exemple, à la mafia napolitaine et le trafic de déchets toxiques. Il y en a bien d'autres. Vous avez des organisations qui se créent pour investir un champ particulier, donc d'une manière opportuniste. Et vous avez des organisations qui sont spécialisées dans un type de criminalité et qui vont, d'une manière accessoire, rajouter un autre élément à leur commerce illicite, je dirais. La difficulté, elle est aussi qu'il n'y a pas une politique de lutte, mais il y en a autant qu'il y a de produits, là aussi. Finalement, il y a des approches de politique publique en matière de lutte contre le commerce illicite qui sont des approches de santé publique, qui peuvent être des approches de protection du consommateur, qui peuvent être des approches de protection du patrimoine naturel ou du patrimoine industriel, etc., etc., et aussi des politiques fiscales ou douanières qui sous-tendent ces politiques. Et puis, il y a un intérêt des pays qui est totalement différent d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui mettront plus l'accent sur la protection de leur patrimoine industriel, d'autres qui mettront l'accent sur les risques pour la santé des populations, sur le patrimoine naturel, en Afrique notamment, ou d'autres qui n'y ont aucun intérêt du tout parce qu'ils voient les choses à courte vue et pensent que, ma foi, si ça rapporte de l'argent à l'économie, pourquoi s'en préoccuper? Malheureusement, ce genre de politique de l'autruche se retourne toujours à terme contre les États. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? You're depicting a picture which is not so bright in a moment in time where multilateralism is not really going anywhere. Actually, the world is imploding. Do you think it's possible to find a ways to work in an international organization to work together, or how do you see it going forward? Are you hopeful or not? Élaborer une stratégie nationale dans ces circonstances est pratiquement une chose impossible. Sauf, et c'est là-dessus que nous avons réfléchi à l'Institut international de Syracuse. J'ai demandé à un groupe d'experts de se pencher sur 5 aspects du commerce illicite: trafic de médicaments, trafic d'organes, trafic d'animaux d'organes d'animaux, etc., etc., et de voir quels étaient les points communs entre ces différents types de commerce illicite. Et l'idée est finalement d'agir sur tout ce qui est commun à l'ensemble de ces aspects du commerce illicite. Ce que nous voulons faire à partir de là, c'est mettre en place un système, une espèce d'inventaire des bonnes pratiques que les États devraient mettre en place s'ils souhaitaient optimiser l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite. Le problème, c'est que faire des recommandations, c'est bien joli, mais en général, elles restent lettre morte. Donc, si on met en place des recommandations, il faut qu'il y ait un mécanisme derrière qui permette
comme, un peu comme le mécanisme qu'il y a avec le GAFI et les recommandations sur la lutte contre le blanchiment, un mécanisme qui permette de vérifier et d'évaluer si les États se conforment à l'ensemble de ces recommandations. So I understand that GAFI could be a solution or the type of GAFI which for money laundering, which took some time, but it is showing results nowadays. Do you think member states, the countries are ready for that when it comes to illicit trade, to apply that kind of a regulation to illicit? Is there the willingness to do it? Le GAFI, très bien si on en corrige les défauts, parce qu'il y avait deux défauts principaux, à mon avis, dans l'approche GAFI de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est qu'on essayait d'imposer aux États, parfois contre leur volonté, la mise en place de mécanismes, et d'autre part, l'évaluation se faisait par les États eux-mêmes, avec tout ce qu'on peut imaginer, parfois de manque d'objectivité. Alors, avec l'expérience que j'ai eue pendant presque 5 ans, plus de 5 ans, d'évaluation des États sur les mécanismes du GAFI, il m'est venu à l'idée qu'en fait, et je l'ai vu hein, dans les discussions que j'ai eues avec les États, on est dans un système de haute compétition sur les États. Et si les États veulent offrir l'image d'un pays qui offre des conditions d'un commerce sain, d'échanges internationaux qui soient sûrs dans le pays, ils ont besoin de donner des gages. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un mécanisme qui propose aux États d'auditer leur système, de voir où sont les vulnérabilités, de les aider à corriger ces vulnérabilités. Et au bout du compte, finalement, et c'est là-dessus qu'il y aura une incitation très forte pour les États, donner une sorte de certification, je dirais, type ISO 9000, pour les États qui offriraient un environnement sain pour leur commerce licite. En prenant cette approche, je dirais, de la carotte plutôt que du bâton, nous pouvons mettre en place une stratégie qui tienne et qui aille loin. Good to hear. Now, before I open for questions from the public, maybe I want to ask one question to the panelists. Clearly, to fight illicit trade is a complex problem, as we have understood in terms of dimension, in terms of cross borders, in terms of actors into the intermediaries with the e-commerce platforms. And there is no easy solution. If there were any solution, I think that would already been applied. So there needs a comprehensive solution where each actor plays a role and together we fight. In your view, my question, but really in 30 seconds or 1 minute each one, what are the two things, if you had to list two important things or one important things that you would like to see different acts to do in order to fight illicit trade? Knowing there is no silver bullet, but what are the one or two important things? Maybe you start with... Pour moi, et c'est une chose extrêmement importante, on ne peut pas lutter efficacement contre le commerce illicite si l'on n'a pas la pleine collaboration du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui est au centre de ce commerce international, c'est lui qui sait effectivement les recettes, je dirais, qui permettront de lutter plus efficacement. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vraiment en appeler au secteur privé, puisqu'il y a beaucoup de gens du secteur privé ici, participez à cet effort, aidez-nous à construire ce cadre juridique international, soutenez le travail qui est fait pour que l'on puisse effectivement mettre en place ce mécanisme. Okay, clear private sector. We have the private sector here. Maybe also on private sector, so I've given my opinion. Je bois les paroles de Jean-François parce que effectivement c'est extrêmement important de casser cette méfiance ab initio qui existe entre le secteur public et le secteur privé. Nous sommes tous autour de cette table ronde, une sorte de passerelle. Nous rencontrons les autorités publiques, judiciaires, policières, douanières, administratives, pour les aider, pour leur proposer nos aides. Nous sommes, groupe LVMH, même aujourd'hui, co-signataires d'accords particuliers avec certaines autorités douanières ou policières à l'échelon du monde pour ce partage d'informations qui est véritablement la base de toute forme de progrès dans la lutte contre cet empire criminel dédié à la contrefaçon. Autre point, je pense que des solutions existent et je pense que ces bonnes pratiques doivent être aujourd'hui partagées à l'échelon mondial. Je vois par exemple qu'il est quand même topique pour de vous indiquer comme exemple que moi pour saisir en masse
des blocs de noms de domaine de sites de contrefaçon. Je vais aux États-Unis voir un juge américain qui va pouvoir m'autoriser à saisir des blocs de 1000, 2000, 3000 sites de contrefaçon, avec la capacité pour moi de saisir l'argent de la contrefaçon qui est sur les comptes PayPal ou Alipay qui sont associés à ces sites de contrefaçon, alors que groupe français, lorsque je vais voir mon juge français, on m'autorise à saisir site par site, donc une action pour un site, le record étant pour nous 5 sites en juin dernier, sans capacité de saisir l'argent de cette délinquance. Et je pense que le nerf de la guerre se situe une fois plus dans la capacité de saisir les assets criminels pour en réalité déstabiliser le plus possible ces réseaux criminels transnationaux. So more cooperation, you think, and sharing. Carlos? Yeah, so as a technologist, I am always optimist. I think the fourth industrial revolution is going to solve a lot of the problems we have, because by the year 2020, which is next year in a few months, we're going to have already 20 billion objects connected to the internet. By the year 2030, we're going to have 1 trillion objects connected to the internet. This room now maybe have about 300 objects connected to the internet. This conference in 10 years' time, we have something like 3 to 4,000 objects connected to the internet. Your clothing, your watches, your glasses, everything will connect to the internet, and everything will have something inside that makes that object unique and makes this object very difficult to counterfeit. Because one thing is counterfeiting the physical aspect of the object, another thing is to counterfeit it, the digital soul of the object, which is what it's all about. I think what we need to do now is to establish very clear instructions on how companies can start to getting themselves ready towards that revolution. The fourth industrial revolution affects everybody. So last 2 years in Davos, we launched the anti-illicit trade declaration, which is a technology declaration that basically is signed by corporations that then comply with the principles of technology on how brands and how governments can work together into creating the right synergies to reduce illicit trade globally. And then you have organizations like PMI Impact and others that they are really creating a multi-stakeholders approach, as this cannot be solved only by regulatory bodies or technology bodies. We need to work together. The big opportunity then by resolving illicit trade, you also resolve the issues related to the United Nations SDF. So you are in a situation where poverty alleviation, the fact that 1.2 billion people don't have a digital identity or a national identity yet, so the Sustainable Development Goal will never succeed if we don't solve the illicit trade issue. So I think international cooperation at the same time that we are sharp focused on technology development, because technology is the enabler of the other. So if you can share maybe in 1 minute, my opinion is that, as I mentioned before, there is no easy solution. There is no silver bullet. I think first thing, everybody has to look at themselves. So what our own organization can do. So in terms of Philip Morris, we are doing the three no's. So know your customer, know your vendors, and know your payments in order to do business with the right people. We put in technology, so track and tracing of our products. So as a company, we're trying to do a lot from ourselves, but I do believe that the solution is in partnerships, and I think the panelists mentioned that. So private-public partnership is the only way to really have a coalition, each one doing its part in order to fight illicit trade. In that direction, Philip Morris launched a fund called PMI Impact, which is giving grants to organizations, being NGOs, being at law enforcement, being the public sector, private sector, in order to fund projects in their sectors to fight illicit trade, not only on tobacco, which is a sector, but any sector, because they're all interconnected. So really to find a coalition of willing partners to fight so public-private partnership is clearly the, in my view, the way ahead, but each one has to do his own bit and not only point a finger to the law enforcement or to the Amazon of these worlds. So we have 6 minutes left. Question, I was very quick, I just mentioned 6 minutes and the hand went up, but we'll take a couple of questions, so please. Nadia Moti, does it work? Okay. Nadia Moti, Professor Mohammed V University in Rabat. We know that one of the darkest sides of globalization was the illicit trade, which stands also to the UN Sustainable Development Goals. Now, from the PPP, we know that from the private sectors, they're more interested by profits. Government is probably more interested by
let's say, citizen perspective. When we talk, the Procureur General talk about human trafficking, organs trafficking. With all my respect to Mr. Marcardier, when I see Louis Vuitton handbag trafficking, I think I will put more focus on what the government can do for this kind of trafficking, and then you will probably do more efforts on that. Do we have to prioritize all this illicit trade, or do we have to tackle the issue of illicit trade from a global perspective? This is my first question. Second question, when it comes, I don't know how to say it, but when it comes to all the law that has been done for the traffic trade, how comes that they're not applied? How comes that there are still certain things that we should be working on? And thank you. Thank you for the question. Questions here, the gentleman, and then. Merci, Monsieur Laïchoubi, académicien, ancien ministre algérien. Je voudrais très rapidement faire peut-être, sous forme de question, un lien improbable, mais qui, à mon sens, est important. Je ne connais pas très bien les caractéristiques du commerce illicite dans les pays développés, mais ce que je peux évoquer, c'est que dans la région, en dehors de la cause de l'affaiblissement de l'État, qui aussi notamment pour des raisons géopolitiques, on a préféré parfois discuter, encourager la relation avec des groupes sociaux plutôt qu'avec des États, peu importe. L'action du terrorisme a généré, dans la période du terrorisme pour le financement et pour le contrôle d'une grosse partie de la société, sinon de la société, a pu mettre en évidence que souvent l'action terroriste a mis la main sur et le commerce illicite ordinaire, normal, celui des marchandises, et l'intégralité des autres substances, drogues, etc. Et de façon assez puissante, puisque parfois, ils ont, dans certaines zones, généré des capacités financières supérieures aux États dans lesquels ils étaient implantés. Alors, aussi, le côté intéressant, c'est que même quand vous avez jugulé le terrorisme et qu'il a été totalement éradiqué dans sa capacité de nuisance violente, on s'aperçoit que son redéploiement se fait souvent sur le commerce illicite où il exerce un quasi-monopole. Et donc il vient avec une autre mentalité, une autre philosophie. Il est né en marge de l'État, il ne reconnaît pas les organisations institutionnelles et il imagine qu'il a été un moment, dans des conditions géopolitiques précises, encouragées. Et donc, à mon sens, ces éléments-là, s'ils sont admis comme des éléments de débat, la solution peut tenir compte de l'intégralité de ces aspects, c'est de coupler le débat avec l'affaiblissement de l'État, mais avec la naissance de ces groupes sociaux et leur évolution. Et on continue à remarquer, ça veut dire que, pour moi, je prédis que dans la zone Moyen-Orient, les lendemains de grands conflits, on aura exactement le même sort, en sachant que notamment la Syrie, qui est un État qui a une capacité commerciale et qui tirait beaucoup de bénéfices, risque de se retrouver dans cette même situation. Je vous remercie. Merci pour la comment. Il y a une question ici. And then we'll ask to the answers. We take three questions. Merci. Je m'appelle Hassan Saoudi, je suis chercheur associé à l'Institut Royal des études stratégiques. Concernant la contrefaçon, je pense que géographiquement, c'est un secret de polichinelle. On sait d'où ça vient, on sait dans quel continent. C'est des déclinaisons opérationnelles qui nous manquent. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, et monsieur le ministre en a parlé, c'est la menace la plus globale, c'est le terrorisme. Or, le terrorisme a besoin d'une ère de la guerre. Et c'est là où il le trouve. Afghanistan, Liban, l'Afrique, dans les zones grises. Le trafic des êtres humains est quand même un créneau porteur pour la nébuleuse terroriste. Le trafic de stupéfiants, etc. Et donc, c'est là où il faut agir. Évidemment, on a un problème. La souveraineté des États, les frontières. Or, et vous l'avez tous dit,
c'est un problème global. La criminalité transnationale organisée ne s'occupe pas des frontières et c'est à nous, les États, de ne pas s'en occuper aussi parce que c'est un problème qui doit être réglé de manière transfrontalière. Et c'est là où, par exemple, dans notre continent, on a ce problème-là de travailler ensemble et de percer les frontières pour essayer de cerner. Et je pense que le terrorisme et l'argent généré par le terrorisme pour la trésorerie de guerre du terrorisme doit être une priorité internationale et régionale aussi. Je vous remercie. So, I think it's all around the question on organized crime, terrorism, the states which are getting weaker and so on, and a question on prioritizing or on different illicit trade. So why don't you start maybe, Laurent, first, because you've been calling calls. Je vais essayer un début de réponse globale. Sur la relation contrefaçon, commerce illicite, crime organisé et maintenant terrorisme, sont des choses qui existent. On n'est pas dans de la science-fiction, on est dans des éléments qui sont en procédure avec des dossiers célèbres qui ont abouti finalement à reconnaître, alors en dépit de ceux qui se cachaient les yeux sur la réalité, que ce lien, ce financement existait. Je vous renvoie très simplement vers un excellent rapport qui avait été remis en 2017 à Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie et des finances français, de l'Union des fabricants. C'est 30 ans d'histoire du terrorisme au travers 30 ans de financement par le commerce illicite et la contrefaçon. Donc c'est quelque chose qui existe et sans révéler des grands secrets, il est évident que dans chacune des procédures dans lesquelles nous pouvons déceler un début de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une radicalité, évidemment, ces éléments sont immédiatement transmis aux autorités locales parce que ce n'est pas le métier, ce n'est pas notre métier de travailler sur ces questions. Et je prends 10 secondes simplement pour répondre à Madame le Professeur. C'est vrai qu'il faut quand même aujourd'hui savoir que ces groupes criminels organisés ont massivement investi le secteur de la contrefaçon pour une raison très simple, c'est là où on gagne beaucoup en risquant le moins. Donc il ne faut pas, à mon sens, sectoriser en disant il est prioritaire de travailler sur le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes. Ces mêmes familles criminelles font l'ensemble de ces activités criminelles. Je renvoie juste à une étude des douanes américaines sur les familles criminelles turques. 30% aujourd'hui des revenus de ces familles criminelles turques proviennent du faux, alors qu'il y en était il y a 15 ou 20 ans exclusivement dans un trafic dédié au trafic d'héroïne ou au trafic d'êtres humains. Donc cet investissement majeur, et au travers la contrefaçon, il arrive que des unités de police judiciaire découvrent d'autres activités criminelles. On cherche de la contrefaçon, on va trouver des stupéfiants. On cherche de la contrefaçon, on va trouver des dépôts d'armes. Et donc je pense qu'aujourd'hui cette réponse globale est aussi au travers une globalisation de ces activités criminelles et la réponse qui doit être faite. Jean-François ? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il n'existe pas de priorité au niveau international, même si effectivement on ne peut pas mettre sur le même plan le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains et la contrefaçon de sac à main. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, ce qu'il importe, c'est que sur la plateforme commune de choses sur lesquelles on peut tous ensemble travailler, lutter contre la corruption, mettre en place des systèmes de confiscation des avoirs criminels, avoir des réglementations de base qui soient communes, là on peut faire. Et après c'est à chaque État, sur la base de cette plateforme commune, ce châssis et ce moteur commun, construire un automobile qui répondra à ses besoins. En Afrique, dans certaines parties d'Afrique, ce sera lutter contre la disparition du rhinocéros dont on coupe les cornes. Dans d'autres régions d'Europe ou d'Afrique, ce sera la lutte contre les organes ou la lutte contre le trafic d'êtres humains. Dans d'autres régions, ce sera aussi tout le trafic de médicaments avec les dommages que ça peut causer en termes de santé publique. Donc, les priorités, je pense que c'est aussi à chaque pays de les établir, mais sur la base d'un travail en commun. La vraie priorité, c'est d'abord de faire ce socle. Oui, simplement pour renforcer les messages digitaux. Si on arrive à appliquer les normes de sécurité qu'on peut faire tous,
Par exemple, pas acheter un produit dans un site qui ne soit pas HTTPS. Combien de marques aujourd'hui n'utilisent pas encore cette technologie de base? Et il permet à n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Beaucoup de médicaments, 50% des médicaments faux dans l'Internet sont vendus à travers des sites qui ne sont pas validés. Fermer tous ces sites-là, comme LVMH avait fait très effectivement, ce sont des hygiènes, je dirais, des bases qui nous permettent de résoudre les problèmes. Et il faut investir sur le digital. Les nouvelles générations sont complètement équipées avec les outils nécessaires. Et c'est à nous simplement à renforcer ce message. I think we close it here, since Jerry is looking. So thank you, panelists, thank you, the public, and thank you, Terry, for organizing this panel. I think it's very useful. Thank you.